Je vais peut-être commencer par le début, par rappeler en deux mots comment la révolution socialiste a été amenée en Union soviétique et quelles ont été les luttes pendant les premières dizaines d'années. Donc, quand nous pensons à l'Union soviétique en 1917-1918, il faut bien se mettre en tête que c'est le pays le moins cultivé, le plus barbare de l'Europe. Donc, où la misère, l'oppression des paysans était encore de type médiéval. Donc, la plupart des gens ne savaient pas lire, croyaient dans toutes les superstitions. La religion avait un poids énorme sur les paysans. La croyance dans le tsar qui venait de Dieu aussi. Mais ces gens, avec leur ignorance, avec leur oppression terrible, venaient en même temps, en 1917-18, de sortir d'une guerre mondiale qui avait été tout à fait désastreuse pour eux. Donc l'Union soviétique, la Russie, sous les tsars, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont eu environ 2 300 000 morts. Et donc, vers la fin de 17, le pays était complètement détruit. Et donc, les masses paysannes, avant tout, étaient complètement épuisées. Et donc, dans ce pays, il y avait un parti communiste, presque le seul qui existait en Europe, qui était resté réellement révolutionnaire. Donc tous les autres partis socialistes comme la nôtre en Belgique, comme le parti de la France, de l'Allemagne, de tous les pays plus développés, s'étaient petit à petit rapprochés de la grande bourgeoisie de leur pays et n'avaient plus du tout un esprit révolutionnaire. Donc en Union soviétique, dans ce pays qui avait le plus souffert, qui était le plus pauvre, qui avait la plus grande oppression, qui avait eu le plus grand nombre de morts, il y avait aussi le seul parti qui avait vraiment l'esprit révolutionnaire et une capacité d'organisation révolutionnaire. Alors, les bolcheviks ont pris le pouvoir en se basant sur le mécontentement des paysans qui étaient là depuis des dizaines et des dizaines d'années, sinon des siècles, mais qui étaient tout à fait exaspérés par la guerre. C'est surtout les paysans qui mouraient. Et aussi les soldats. Donc c'est eux qui allaient à la boucherie et qui n'en voulaient plus. Et donc il n'y avait qu'un seul pays, un seul parti qui voulait rompre tout à fait avec les intérêts économiques en jeu et qui voulait donc mettre fin à tout prix à la guerre. Et donc ce parti bolchevique, avant 1917, il avait du soutien surtout dans les milieux ouvriers qui étaient les plus conscients. Mais à la campagne, il avait très peu de soutien. Mais donc c'est uniquement au moment où il a donné la paix à ces paysans misérables et ensuite qu'il leur a donné la terre, une aspiration qu'ils avaient depuis des siècles, que ces masses opprimées et incultes ont commencé à soutenir le parti bolchevique. Alors, juste après la révolution, il y a eu des insurrections de tous les réactionnaires. Donc les tsars les tsaristes ne voulaient pas se laisser faire, ni les bourgeois, ni les pro-anglais, ni les pro-américains, ni les pro-allemands. Et donc il y a eu des insurrections un peu partout, et immédiatement il y a eu la France qui a envoyé son armée, l'Angleterre, la Tchécoslovaquie, le Japon, les États-Unis. Donc tous sont intervenus en 1917, 18, 19, avec des armes, avec des troupes même. Et donc quand on réfléchit, le parti bolchevique, il avait quelques dizaines de milliers, au maximum une centaine de milliers de personnes, fin 17, début 18. Donc c'était effectivement des batailles de classe. Et donc beaucoup de paysans qui ont lutté contre les interventions étrangères et contre les armées des réactionnaires, c'est pas par conscience politique ou socialiste, parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Mais donc, c'était des batailles qu'ils avaient menées depuis des siècles contre leurs oppresseurs, qu'ils continuaient, mais maintenant, avec le soutien d'un parti authentiquement révolutionnaire, bien implanté dans les grandes villes, et disposant des cadres, des intellectuels, des techniciens, qui étaient à la hauteur de la société moderne.
C'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre. La guerre civile, maintenant, je parle, 1918, 19, 20, jusqu'à 21. Donc, après une longue guerre mondiale, ils ont eu 3-4 ans de guerre civile et d'intervention étrangère tchécoslovaque, anglais, français. C'est-à-dire, après 8 années de guerre, le pays était complètement ruiné. Il n'y avait plus rien debout, presque plus d'usines, presque rien. Alors, pour remettre sur pied quelque chose, les bolcheviks, ils ont suivi, disons, une double politique. Parce qu'ils voulaient remettre quelque chose dans le domaine de l'économie en place, mais ils voulaient que ça ait une perspective socialiste. Et donc, la perspective socialiste à ce moment-là pourrait uniquement être portée par un parti qui avait une claire conscience de la marche vers le socialisme. Et donc, il n'y avait que le parti bolchevique. C'est son histoire qu'il avait prouvé, mais c'était aussi sa lutte contre la guerre mondiale d'abord, contre les guerres interventionnistes et réactionnaires ensuite. Et donc, il avait le soutien des masses, même si la plupart des paysans ne comprenaient pas où ce parti voulait aller. Et donc, le premier point, c'est que la direction du parti bolchevique devait rester ferme, parce que c'était la seule garantie que il pouvait y avoir une évolution, pas à pas, d'après les conditions du moment, vers le socialisme. Mais deuxièmement, il fallait que les gens recommencent à manger un peu. Donc il n'y avait rien dans le pays. Donc ils ont fait une politique de laisser se développer le petit commerce, la petite industrie, donc la seule qui pouvait se faire sans que personne, l'État n'avait pas de moyens, s'en occupe. Et donc, ils ont permis que se développe le petit capitalisme spontané. En même temps, ils ont essayé de remettre sur pied les vieilles usines qui existaient, qui étaient détruites, donc, mais bon, il restait quelque chose. Donc ça, ils ont nationalisé, c'était l'État qui le contrôlait. Les banques, c'est l'État qui le contrôlait. Et ils ont fait une politique de concession au capitalisme mondial pour que, s'il y avait des capitalistes qui voulaient faire de l'argent, qu'ils puissent faire un certain nombre de grandes entreprises en Union soviétique, pour qu'il y ait un certain nombre de produits sur le marché et qu'on puisse les changer avec les besoins des paysans, donc pour redémarrer la production. Donc je dis tout cela pour déjà indiquer deux choses. D'abord, dans le domaine de l'idéologie et la politique, il faut savoir le type de pays que c'est l'Union soviétique en 17, 20, 21. Donc, le noyau communiste était assez restreint. Au niveau des masses, surtout paysannes, c'était la majorité, il y avait une sympathie pour ce que le parti avait fait, mais disons, une connaissance de ce que c'est le marxisme, le léninisme, les lois de l'évolution, très peu. Ça pour ce domaine politique. Dans le domaine économique, donc, on a un développement du petit capitalisme. Et il n'y a pas d'autre moyen à ce moment-là pour redémarrer. Alors, ça a pris toutes les années 20. Donc, on a commencé à redresser le pays en 21. Disons, vers 27, vers 28, les usines tournaient. La production était plus ou moins dans les grandes industries restaurées par rapport à ce qu'elle était avant la guerre. Il y avait un certain nombre de grandes entreprises étrangères qui fonctionnaient. Et à la campagne, il y avait eu le développement spontané quand on laisse les choses aller. Donc tout le monde avait reçu la terre en 21, chacun la même partie. Parce que ça, c'était l'idée la plus révolutionnaire que les paysans pouvaient avoir dans la tête. C'est que chacun y reçoit la terre et chacun la même partie. Donc, c'est l'égalité totale. Ceux qui connaissent le marxisme, ils savent que cette égalité, ça ne dure pas longtemps. Et donc, effectivement, après 5 ans, il y avait des paysans qui étaient ruinés. Il y avait d'autres qui s'étaient enrichis. Donc les paysans peuvent se ruiner par maladie, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et par rapport à la terre, par beaucoup de moyens.
Et donc, disons vers 28, la paysannerie, c'était une autre paysannerie que sous le temps des tsars. Mais donc, les vieux paysans réactionnaires, les vieux propriétaires foncières, les vieux paysans riches étaient toujours là. Donc, même si maintenant, ils étaient peut-être paysans pauvres ou paysans moyens. Donc, ils n'avaient pas plus de terres que les autres. Mais, pour ceux qui connaissent un peu la paysannerie, un paysan riche, il sera riche jusque dans la tombe. Donc, je veux dire que, chez la paysannerie, le poids de tous ces réactionnaires qui rêvaient de l'ancien temps, il était là dans le domaine de l'idéologie. Dans le domaine de l'économie, vers 27-28, vous pouvez trouver les chiffres exacts dans le livre, mais je vais peut-être me tromper d'un ou 2%. Il y avait 7 à 8% de paysans sans terre, donc c'est-à-dire des gens complètement ruinés. Il y avait à peu près la même chose de paysans pauvres. La grande majorité des paysans étaient dans la moyenne. Paysans moyens, et il y avait à nouveau 5 à 6% de paysans riches, donc qui avaient beaucoup de terres, qui s'étaient accaparés de beaucoup de terres et qui faisaient travailler des gens sur leurs terres. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique commençait un programme pour s'industrialiser et donc pour acquérir une industrie moderne dans tous les domaines. Métallurgie, sidérurgie, chimie, donc capable de construire un pays indépendant. Pour faire tourner des usines, il faut donner au moins quelque chose à manger aux ouvriers. Donc le grand problème, c'était d'avoir assez de nourriture pour les centaines de milliers de nouveaux ouvriers qui venaient dans ces nouvelles usines. Donc, il fallait que des gens puissent vendre des céréales. Mais à la campagne, qu'est-ce qui se passait? Les paysans avaient souffert pendant des générations. Et ils n'avaient presque jamais eu assez à manger. Maintenant, la majeure partie des paysans étaient des paysans moyens. Mais ils bouffaient beaucoup plus qu'avant. Et donc, ils mangeaient mieux. Mais donc, ils avaient peu à vendre. Ils étaient paysans moyens. Ils avaient leur terre. Et donc, cette grosse partie des paysans ne mettait pas tellement sur le marché. Tout était très arriéré comme système de production. Donc, dès qu'il y avait cette nouvelle classe de paysans riches qui s'est amenée, c'est elle qui disposait du surplus des céréales. Et donc, c'est aussi elle qui pouvait spéculer. Quand c'est le capitalisme spontané, c'est ça que font les paysans riches, c'est ça que font les commerçants dans tous les pays. Vous n'avez qu'à aller dans le tiers-monde, vous allez voir. Donc, ils étaient là dans une situation qui devait se terminer, soit par la victoire totale de cette classe de paysans riches, mais alors ce serait eux qui déterminent l'avenir du pays, et alors ce serait un pays capitaliste. Parce que tu ne pouvais pas avoir le capitalisme et une classe capitaliste dominante 80%, 85% du pays et que les centres urbains restent socialistes. Donc la lutte serait à mort. Et donc si effectivement c'est le capitalisme qui se développait à la campagne, alors il y aurait une nouvelle guerre civile. Et que dès le moment où les paysans riches pouvaient consolider leur position, entraîner derrière eux des paysans réactionnaires, c'est eux qui gagneraient la future guerre civile. Mais donc, guerre civile était dans l'air. C'est à ce moment-là que les bolcheviks, ils ont dit que la première, il faut faire deux choses. Donc, il faut faire l'industrialisation du pays si on veut être un pays indépendant et socialiste. Et donc, ils ont fait un plan. Ils ont préparé le premier plan quinquennal pour industrialiser l'Union soviétique. Et ils ont dit deux, il faut résoudre le problème des paysans.
Donc il faut mettre la paysannerie sur la voie socialiste. Il n'y avait qu'une seule voie qui avait déjà été élaborée par Lénine, c'est la coopération. Donc poussé par des crédits financiers, par des aides, par tous les moyens dont disposait l'État, les paysans à se regrouper. Et donc de faire des collectivités et de travailler collectivement. Parce que tous les petits paysans ne pouvaient ni travailler avec des tracteurs, ni avoir des moyens scientifiques pour augmenter la production. Donc la seule issue pour avoir une production moderne, c'était à ce moment-là la coopération. Tout ça a été discuté depuis 1918, 19, 20. Donc Lénine a beaucoup écrit là-dessus. Et donc le Parti communiste, il avait fait un certain travail aussi depuis lors à la campagne. Alors, au moment où les paysans riches se remettaient debout, toutes les contradictions à la campagne devenaient plus aiguës. Parce que les paysans connaissaient très bien cela, ils avaient lutté pendant des siècles. Alors, quand les bolcheviks ont lancé le plan pour la collectivisation, à ce moment-là, à la campagne, là aussi vous pouvez trouver les chiffres, il y avait, si je ne me trompe pas, 200 000 bolcheviks. Donc pour une population paysanne qui doit être à environ 130 millions. C'est pour dire que les éléments d'avant-garde conscients à la campagne n'étaient pas tellement nombreux. Mais d'autre part, la masse des paysans avait le souvenir de l'oppression et de l'exploitation et de ce que c'était les paysans riches et les propriétés foncières. Donc, surtout les pauvres et les anciens pauvres n'en voulaient pas. Et donc, très vite, il y a eu un mouvement, disons, généralisé et enthousiaste pour créer des collectivités. Maintenant, on dit que c'est Staline qui a imposé à partir du sommet la collectivisation. Ça, c'est de la folie parce qu'il n'avait personne pour imposer. Et donc ces 200 000 types, si c'est eux qui voulaient la collectivisation, mais on les aurait égorgés tous. Donc le fait est que ça correspondait exactement au désir des paysans pauvres et des paysans anciens pauvres. Et que c'est eux qui se sont lancés avec souvent trop d'enthousiasme dans la bataille. Et donc s'il y a eu des exagérations et des attaques un peu déplacées contre certains paysans riches ou moyens, c'est le fait des paysans pauvres et des paysans qui avaient été opprimés pendant des générations. Donc quand on dit que c'est Staline qui a, etc., c'est presque juste le contraire. Donc la première vague a été très enthousiaste et un peu trop fort, et c'est la direction du parti qui est intervenue pour dire qu'il faut que la collectivisation soit libre. Donc on est contre toute collectivisation forcée. Et c'est Staline qui a fait un article qui est intitulé « Le vertige du succès » pour qu'on en revienne sur certaines exagérations. Mais toujours est-il que on avait commencé à la campagne une lutte de classe, mais dans des formes tout à fait nouvelles. Donc il y avait de nouveau des classes, ça je viens de dire, il y avait des paysans riches 5-6%, c'était eux qui avaient le surplus. Mais donc il y avait maintenant aussi l'organisation et un plan des paysans pauvres et moyens, de la collectivisation. Et entre ces deux, c'était la guerre à mort. Et donc quand je dis à mort, c'est à mort. C'était la mort des vaches, la mort des cochons, et aussi la mort des hommes. Donc dès que la collectivisation devenait un mouvement de masse à la campagne, les paysans riches, les anciens réactionnaires, les anciens tsaristes, donc ils ont commencé à assassiner des commissaires politiques, des présidents des ligues paysans pauvres. Et donc, nous ne venons pas d'une société paysanne. Mais donc, là où il y a des sociétés paysannes dans le tiers-monde, on peut s'imaginer ça. Donc là où les paysans ont été dirigés pendant des siècles par des familles ou des clans, donc c'est vraiment il n'y a rien qui... c'est eux les chefs. Mais donc, imagine le jour où les plus pauvres et les plus misérables et les plus méprisés de ce village, ils prennent le pouvoir, et que le type qui a toujours été la famille des paysans riches, il doit trimer comme les autres, il cherche la vengeance.
Et donc, les morts à la campagne en 29, 30, ont commencé par des assassinats de communistes, de bolcheviques, de gens de l'armée rouge, de présidents de ligues des paysans pauvres. Puis, quand la collectivisation devenait inévitable, donc quand la pression était très forte, les paysans riches, donc les 5%, j'ai dit, c'est eux qui avaient presque tout le surplus. Plutôt que de voir une collectivisation, ils ont égorgé tout ce qu'ils pouvaient égorger. Bétail, cochons, poulets, tout ce qu'ils avaient dans les mains. Et donc en une année, ils ont presque abattu tout. Parce qu'ils voulaient que le système crève plutôt que de leur donner ou de leur concéder leur bétail. Donc ils spéculaient sur que ça s'effondre et bon, on verra plus tard. Donc on remontera, mais tout ce qui est debout va périr. Donc je dis ça pour souligner le fait que la lutte de classe à la campagne a existé depuis des centaines d'années en Union soviétique. La lutte de classe et une lutte de classe décisive s'annonçait et se menait à nouveau en 28, 29, 30. Mais donc, comme le parti bolchevique était ferme, était bien organisé, avait les centres de la ville chez lui, pour lui, avait l'armée, maintenant, la lutte de classe féroce à la campagne avait des alliés du côté des pauvres. Et c'est les pauvres qui ont gagné. Mais donc, dans des batailles très, très, très terribles. Et donc avec beaucoup de souffrance. Mais donc là, vous avez aussi un phénomène qu'il faut tenir en tête quand on va aborder toutes les questions qui ont été soulevées. Donc vous avez toute la génération des vieux paysans riches, propriétés foncières. Vous avez la nouvelle génération de ceux qui se sont enrichis, les nouveaux paysans riches de 1928-29, 5% de la population. 5%, ce n'est que 5%, mais c'est quelques millions. Hein. Et donc, il faut aussi savoir que ces quelques millions, ils avaient la haine du système qui les avait empêchés de jouir comme ils faisaient avant. Donc, c'est un facteur qu'il faut avoir en tête. Le premier plan quinquennal dans l'industrie, il a réussi au-delà de toutes les expériences. Et donc, surtout en Occident, on pensait que ça ne pouvait pas marcher. Contrairement à toutes les prévisions, le plan quinquennal a été rempli et l'Union soviétique a jeté en 5 années les bases d'une industrie indépendante. Donc, ça a demandé un effort colossal. Donc ceux qui disent, en général maintenant on entend qu'en Union soviétique sous Staline, le peuple était au travail sous la contrainte et que Staline, le dictateur... Donc il n'y a jamais eu dans l'histoire d'aucun pays des mouvements, des masses ouvrières avec un tel enthousiasme et un tel esprit de sacrifice et un tel esprit indépendant que dans ces années-là. Donc c'est des jeunes qui par centaines de milliers allaient à des milliers de kilomètres d'où ils étaient nés, en Sibérie, pour mettre sur pied dans la brousse où il n'y avait rien, des villes entières. Donc c'était vraiment un travail héroïque. Et donc en 5 années, ils ont mis sur pied toutes les bases de toutes les branches de l'industrie moderne. Nous sommes alors 33-34. Mais donc, l'industrialisation s'est réalisée. Oui, peut-être encore une idée là-dessus. Donc, quand tu vois l'effort des travailleurs et les réussites en 5 années de plan quinquennal, vous pouvez aussi mieux mesurer cela quand vous voyez la situation du tiers-monde. Donc, beaucoup de pays du tiers-monde, ils sont dans la même situation que la Russie en 1917-18. Il n'y a presque rien comme industrie, très peu. Mais donc, on voit les difficultés pour tous ces pays pour s'industrialiser. Simplement, ils n'y arrivent pas. Donc, ils n'arrivent pas à mobiliser les masses de façon conséquente, ni ils arrivent à mener une lutte conséquente contre l'occupation et la domination étrangère. Donc ça aussi, ça doit faire réfléchir sur les prestations et les réalisations qui ont été faites par les masses ouvrières en Union soviétique dans les années 30.
Donc, industrialisation 1, collectivisation à la campagne, et donc empêcher que le capitalisme se développe librement dans la plus grande espace et parmi la plus grande partie de la population à la campagne, collectivisation. Et 3, je ne vais rien lire là-dessus, mais quand même, il faut le mentionner, la révolution culturelle. Donc j'ai parlé que c'était un pays d'illettré. Donc l'Union soviétique a fait le plus grand effort jamais entrepris au monde pour alphabétiser les gens à un temps record et pour l'éducation technique, l'éducation supérieure, universitaire. Et donc en un temps record, ils ont créé un maximum, pas seulement d'instituts supérieurs, d'écoles secondaires, d'écoles de base, mais aussi de bibliothèques, des centres culturels à la campagne. Donc le bouleversement culturel était absolument fabuleux. Et donc nous sommes en 34-35, donc les choses sont plus ou moins prises en main, et disons la situation est stabilisée. Et donc l'orientation vers le socialisme est maintenant sur de bases assez solides. Je vais maintenant parler du deuxième thème qui, en général, est pris par les réactionnaires pour attaquer le socialisme. C'est la question des épurations de Staline dans les années 35-39. Donc, j'ai parlé d'abord un peu de la collectivisation, la question des paysans. Donc, maintenant, je vais aborder ce deuxième point qui est général, le point numéro 2 pour les attaques sur Staline. D'abord, on doit bien se rendre compte que dès le premier jour qu'est née l'Union soviétique, toutes les grandes puissances capitalistes se sont liées contre l'Union soviétique pour le détruire. Donc, ils n'avaient jamais pu imaginer qu'il y avait un pays qui puisse être dirigé sans capitalistes et par un parti révolutionnaire. Donc, ça ne s'était jamais fait et c'était de la folie. Et donc, dès que l'Union soviétique a commencé à exister, tous se sont liés pour le détruire. Donc, on sait que c'était la guerre mondiale. Les Allemands et les Français et les Anglais s'étaient étripés mutuellement. Mais dès qu'il y avait l'Union soviétique, tout changeait. Par exemple, il y a des ambassadeurs de l'Europe occidentale à Moscou qui disaient que pour continuer la guerre contre l'Allemagne, il n'y a que les bolcheviks qui peuvent le faire. Et qui proposaient, ces textes ont été publiés, qui proposaient que l'Angleterre et la France reconnaissent et soutiennent les bolcheviks parce que c'était les seuls qui étaient en mesure d'avoir assez de poigne pour continuer la guerre contre l'Allemagne. Ça, c'était, disons, l'optique qu'on pourrait dire qui est logique du côté des impérialistes allemands et français qui se battaient depuis 3 ans dans la guerre mondiale contre les Allemands. Mais du fait que c'était des révolutionnaires, tout changeait. Et donc ce raisonnement le plus logique ne tenait plus. Et donc les Anglais, les Français ont commencé immédiatement à faire des plans comment ils pouvaient se débarrasser de l'Union soviétique, des bolcheviks. Donc leur premier souci n'était plus, à ce moment-là, leur guerre avec leurs frères impérialistes allemands. Je ne vais pas parler de tous les événements, seulement pour rappeler que, effectivement, les Anglais, les Français, les Tchécoslovaques, les Allemands aussi, ont attaqué l'Union soviétique et ont essayé de débarrasser ce pays des bolcheviks. Donc les Allemands ont été les premiers pour attaquer après. Donc l'Union soviétique a déclaré, Lénine a déclaré la paix, qu'il ne voulait pas se battre, de toute façon il ne pouvait plus. Les Allemands en ont profité pour attaquer. Il y avait eu là l'épisode de Brest-Litovsk, des négociations,
Il y a eu une deuxième vague d'attaque des Allemands, ils sont allés assez loin. Donc ils ont eu d'abord les impérialistes allemands, ils ont occupé presque toute l'Ukraine. Après, les Allemands ont été défaits par les Anglais et les Français. Alors, c'est les Anglais et les Français qui ont attaqué en Union soviétique. Donc, les Français ont envoyé la flotte, les Anglais aussi. Ils ont débarqué des troupes. De l'autre côté, les Japonais ont attaqué. Puis, ils ont aidé les généraux réactionnaires du Tsar qui restaient sur le territoire de la Russie. Donc, je veux dire, quand on voit 1918, 1920... Presque toutes les grandes puissances impérialistes ont attaqué militairement. Ils ont été défaites. Mais donc, s'ils ne luttent plus militairement, ils continuent la lutte politique, dès le premier jour. Alors, qui dit lutte politique, il dit infiltration, espionnage, recrutement des forces et du travail clandestin. Et donc toutes les fractions de l'impérialisme, pas seulement les Allemands, mais tout aussi bien, peut-être plus même, les Anglais, parce que c'était encore la puissance dominante dans le monde, ont commencé à nouer des contacts avec tous les Soviétiques qui pouvaient entrer en contact pour voir où est-ce qu'ils étaient. Et en même temps, toutes les vieilles classes et tous les représentants des vieilles classes qui avaient maintenant leur ennemi de toujours au pouvoir, chercher des alliés. Donc ça, c'est un facteur permanent depuis 1900, depuis la fin de l'intervention, 1920-21. Un deuxième facteur, quand il y a une révolution, et une révolution populaire, donc où c'est le peuple qui prend le pouvoir, il faut essayer de s'imaginer un peu dans quelle situation on est inévitablement. Et on sera inévitablement dans n'importe quel pays du monde. Donc les classes qui ont dirigé le pays depuis des centaines d'années, ils ont de l'expérience, ils ont l'habitude, ils ont la culture de gouverner. Donc de génération en génération, ils ont couru les meilleures universités, ils ont fréquenté le plus beau monde. Mais donc ça veut dire que presque toute la couche supérieure qui dirige tous les aspects de la société et qui a la meilleure connaissance de toute la société, elle travaille pour l'autre classe. Et quand elle est renversée, un mouvement populaire doit essayer de remplacer ça par de nouveaux intellectuels ou des nouveaux cadres. C'est de toute façon une chose extrêmement difficile. Mais je veux maintenant seulement souligner ce point-ci. Donc en Union soviétique, on l'a fait. Donc on a formé une aussi vite que possible, c'est pour ça que j'ai parlé de la révolution culturelle, une nouvelle génération de jeunes qui avaient l'esprit révolutionnaire, qui étaient éduqués par la révolution, pour prendre en main les postes les plus importants dans l'administration, dans l'enseignement, etc. Mais, donc, ces centaines de milliers de gens de l'ancienne société qui étaient fidèles à cette ancienne société, mais qui avaient toutes les capacités techniques et administratives, ils étaient toujours là. Une des tactiques dans la lutte de classe en Union soviétique, mais ça se fera dans tous les pays de ces classes, c'est qu'une fois que le pouvoir socialiste était établi, donc ils ne sont pas bêtes, ils connaissent bien tous les rouages d'une administration. Tu vas avoir en masse des réactionnaires qui se convertissent en révolutionnaires, qui disent n'importe quoi parce que c'est ça qu'il faut dire. Ils sont assez intelligents pour répéter n'importe quel discours. Donc, très vite, tu vois des gens qui ont compris, hein, qui ont changé d'opinion. Et comme ils sont bons techniciens, comme on n'a pas de techniciens, on les utilise. Donc je vais peut-être donner un seul exemple qui est un peu absurde, mais que je me rappelle pour l'instant, qui est assez significatif. Le type, il a écrit un livre qui s'appelle, si je me rappelle
si je ne me trompe pas, secrétaire de Staline. Donc il se dit, il se présente lui-même comme il avait 18 ans, il venait de finir l'école, et il dit de lui qu'il était anticommuniste farouche, il venait de l'Ukraine. Mais donc, quand les bolcheviks ont gagné, il écrit comme ça que tout le monde savait maintenant que c'était eux qui allaient diriger le pays. Donc il s'est fait convertir en bolchevique. Et donc il explique dans son livre qu'il avait la haine et qu'il avait compris que pour les combattre, il fallait les combattre à l'intérieur. Il s'appelle Bajanov, je crois. Et donc, il s'est fait bolchevique. Et à l'âge de 20 ans, il était le secrétaire du bureau politique, le secrétaire personnel de Staline. Et comme Staline dirigeait le bureau politique, comme secrétaire, ou je ne sais pas dans quelle fonction exactement, du point de vue politique, c'était lui qui prenait les notes. Donc, le type dont je parle. Et donc, il a pris toutes les notes du bureau politique jusqu'à 23. Donc, c'est assez symbolique. C'est un type de rien du tout de 20 ans, mais qui vient de la grande bourgeoisie, qui a de l'instruction et qui sait parler en bolchevique. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui se discutait au plus haut niveau, il le savait. Et donc, il était anticommuniste convaincu. Il a dû fuir en 24. Mais donc, je donne ça parce que toute cette classe avait cette même idée et cette même réflexe que pour les combattre effectivement, le mieux c'est de faire un travail infiltré et un travail clandestin à l'intérieur. Et donc c'est un phénomène qui s'est fait à large échelle et qui se fera toujours d'ailleurs dans n'importe quelle révolution à large échelle. Donc il faut avoir en tête ces deux phénomènes, la pression de l'impérialisme et leur effort pour recruter, pour nouer avec des forces qui étaient favorables au capitalisme et à l'impérialisme, et deux, la tactique des anciennes réactionnaires pour se convertir en bolcheviques, infiltrer et monter. Et la possibilité qu'ils avaient, vu le manque de cadres dans les années 20, pour y arriver assez vite. Donc nous sommes en 34 maintenant. J'ai dit le socialisme commence à être stabilisé, les bases sont assez fermes et donc l'avenir est brillant. Et donc l'avenir, il avait aussi ceci déjà en perspective, c'est que les nazis étaient arrivés au pouvoir il y a une ou deux années. Et que, bon, la crise mondiale de 29-30... La guerre était à nouveau dans l'air. On ne savait pas si c'était pour dans une année ou dans deux ou dans trois, mais la guerre mondiale était déjà dans l'air en 34. Pas seulement la guerre mondiale était dans l'air, elle avait déjà commencé. En général, chez nous, on ne sait pas ça. Comme on pense que l'Europe, c'est le monde, comme il n'y avait pas de guerre chez nous, on pense qu'il n'y a pas de guerre mondiale. La guerre mondiale a en fait commencé en 1931 avec l'attaque du Japon contre la Chine. Donc c'est le premier coup de feu d'une guerre qui se transformera petit à petit en guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de questions d'une attaque du Japon contre l'Union soviétique en 1932-1933. Donc je veux seulement dire que, avec la montée des nazis en Allemagne, en Italie, au Japon, le fascisme, la guerre mondiale était déjà dans l'air. Alors, le parti bolchevique et donc l'Union soviétique, ils savaient depuis ce moment-là que dans la guerre mondiale, eux étaient les premiers visés et que eux recevraient les plus grands coups, peut-être de tous les côtés. Donc à ce moment-là, ils ne pouvaient pas prévoir si c'est le Japon qui allait attaquer ou l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne, parce que tous étaient candidats. Et la pire situation, ce serait qu'ils attaquent tous ensemble.
Mais il n'y avait personne à exclure. Quoique, celui qui était le plus près de la porte, c'était l'Allemagne nazie. Et donc c'était les nazis qui étaient, dans la perspective des bolcheviks et de Staline, l'attaqueur, l'agresseur le plus probable, mais pas le seul. Alors, il y a eu en 1934 l'assassinat du deuxième responsable du Parti communiste de l'Union soviétique, Kirov. Donc Staline était le premier responsable, le deuxième homme, et un de la jeune génération et des plus capables, qui était le responsable de Leningrad, a été assassiné en 1934. Donc il y a eu des enquêtes sur la façon dont cet assassinat a été possible. Et donc on a très vite découvert que dans la sécurité de l'Union soviétique, il y avait des infiltrations. Et c'était à travers des infiltrations dans la sécurité que l'assassinat a été commis. Qu'il y a des infiltrations dans la sécurité n'est pas étonnant, puisque ceux qui pensent en prévision d'une guerre et qui sont spécialistes, ils n'infiltrent généralement pas le département des voiries. Donc c'est les choses les plus vitales pour une guerre à venir qui sont les premiers visés. Alors, une fois qu'on a découvert les complots avec l'assassinat de Kirov, a commencé l'épuration. Donc on a dit qu'il y a des infiltrations au niveau du parti et au niveau du gouvernement, donc de l'appareil de l'État, des infiltrations organisés par des réactionnaires, donc qui veulent en finir avec le socialisme et retourner à l'ancienne société, mais qui sont aussi en liaison avec les puissances impérialistes extérieures. Et donc on a commencé à faire des enquêtes, et donc il faut dire que juste à ce moment-là, la vigilance d'abord n'était pas ce qu'elle fallait, mais deux, on n'avait aussi pas beaucoup de moyens. Donc il y avait dans la première période, les infiltrations étaient presque, disons, inévitables, comme on n'avait pas de personnel. Et donc, de 21 jusqu'à 34, on avait formé une ou deux générations d'intellectuels, de cadres techniciens. Il y avait des techniciens avec une certaine expérience rouge, donc qui étaient formés par le bolchevisme. Donc maintenant, on avait aussi la possibilité de mettre les choses au point. Et donc d'enlever des postes de responsabilité des gens qui étaient suspects du point de vue socialiste. Sur les épurations, je vais peut-être essayer de faire comprendre la lutte, sa complexité et le bien fondé de cette lutte à travers un exemple. Et donc je vais me limiter à ça, parce que c'est assez intéressant et même extraordinaire. Et pour les gens qui lisent l'anglais, donc il y a ici un livre en anglais, vous pouvez éventuellement le photocopier, c'est une des choses les plus intéressantes sous ce point de vue qu'on n'a jamais vu. Le type qui écrit, il s'appelle Tokayev, il est colonel de l'armée et il est un scientifique, donc il est spécialiste dans les avions, donc il fabrique des moteurs d'avions, donc c'est un grand technicien, un grand scientifique, il est en même temps colonel dans l'armée. Il a 27 ans en 35, donc une année après l'assassinat de Kirov. Donc c'est un jeune qui vient d'un milieu bourgeois. Donc il a 27 ans en 35, mais en 35, il appartient en même temps à une organisation clandestine, anticommuniste, à l'intérieur du Parti communiste. Donc ça, c'est un livre qu'il a écrit quand il a pris la fuite en Angleterre. Et donc c'est un livre où il explique comment lui et ses compagnons ont lutté contre la tyrannie communiste.
Donc c'est un livre absolument extraordinaire parce que l'homme dit ce que, et il se revendique de ce qu'il dit dans son livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quelle position, pourquoi, comment. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il était membre d'une organisation clandestine à l'intérieur du parti bolchevique, en 1935. Leur chef était membre du comité central. Donc c'est celui-là qu'il appelle le camarade X. Il était pas seulement membre du comité central, mais il était aussi un des plus hauts placés de l'armée rouge. Donc lui, il a survécu toute l'épuration. Leur chef aussi. Et donc, on dit l'épuration, que c'était terrible, que tout le monde a été tué. Donc, ces deux-là, toute l'épuration, ils ont survécu. D'autres camarades à lui aussi ont survécu. Le plateforme, donc leurs opinions politiques qu'ils développent à travers le livre, essentiellement, il est pour la social-démocratie. Donc sa position, c'est la social-démocratie européenne. Quelque part dans le livre, il dit qu'il y a des grandes figures de renommée internationale, il mentionne Spaak. Donc c'est ça sa position idéologique et politique, la social-démocratie internationale. Donc, il est pour la social-démocratie. Bien sûr, il est pour le pluripartisme en Union soviétique, donc contre la direction du parti bolchevique. Et trois, il est pour le développement libre de l'économie paysanne. Donc, il est contre la collectivisation. Et quatre, il est pour l'indépendance des différentes républiques. Donc, lui, il vient d'une petite minorité en Géorgie. Comment il s'appelle? Hein? Peut-être les Ossètes. Oui, je crois bien. Ils ont des problèmes à l'heure actuelle, il y a beaucoup de... Bon, il est de cette petite minorité. Et donc, il défend un programme d'indépendance des républiques. C'est-à-dire une position nationaliste. Et donc, de la division de l'Union soviétique selon les républiques. Donc ça, c'est ces quatre positions qu'il dit en 35-36. S'il y en a parmi vous qui veulent faire des remarques sur ces quatre points, qu'est-ce que vous diriez? Pardon? Qui veut encore intervenir? Ce sont les mêmes thèmes qu'on utilise maintenant dans les médias. Si c'est seulement dans les médias, ce serait le moindre de notre souci. Donc c'est effectivement assez frappant. Hein? Donc ce type, il dit qu'il est membre d'une organisation clandestine, anticommuniste, à l'intérieur du parti. Son programme, c'est mot par mot le programme de Gorbatchev. Donc rien n'y manque. Donc ils ont des réunions clandestines, ils ont des congrès clandestins. Donc c'est vraiment une organisation parallèle anticommuniste au sein du parti. Ça, c'est une chose. Je dis qu'on est en 35, je ne sais pas quand ils ont commencé. En 35, ça existe et ils fonctionnent. Donc, ils ne parlent pas des antécédents de l'organisation. Je crois que lui est entré en 35. Mais donc, il dit qu'il y a tel général, qu'il y a tel secrétaire du parti de telle ou telle région. Donc, ce n'est pas une organisation, disons, à la base, c'est avec des cadres du parti. Ça, c'est un. Deux, il y a dans
les campagnes d'épuration que Staline a menées, il y a eu des vagues d'arrestations, des gens qui ont eu des procès et qui ont été fusillés. Qui étaient des responsables du parti, très souvent, au moins pour les grands procès qu'on connaît. Deux choses à souligner dans son livre. D'abord, il y a eu un premier groupe d'un dirigeant du parti qui s'appelle Yenoukidze. C'est aussi un géorgien, comme Staline. Donc ceux qui ont étudié un peu en détail l'histoire de l'Union soviétique, ils connaissent Yenoukidze et le fait qu'il a été arrêté et exécuté, je crois, en 1937. Ce qui est intéressant ici, c'est que lui, il dit que son organisation entretient des liaisons très étroites avec ce groupe, qui n'est pas le leur, mais qui est un groupe au niveau du comité central du parti. Yenoukidze, à un certain moment, il est arrêté, mais avec des complicités, il arrive à s'échapper. Et il s'échappe vers Bakou, en Géorgie, et donc c'est là qu'il est arrêté. Mais il s'échappe avec la complicité des gens de leur groupe. Et donc, dans son livre, il discute que leur groupe, il a discuté de ce cas-là, et ils ont décidé d'apporter de l'aide parce que leurs programmes sont plus ou moins s'entrecoupent. Deux, ils parlent de leur liaison avec le groupe de Boukharine. Donc Boukharine, c'était le grand chef de l'opposition contre Staline entre, disons, 1928 et 1936-37. J'ai parlé de la collectivisation de l'agriculture. Donc, dans le parti, c'était essentiellement Boukharine qui s'est opposé à la collectivisation et qui a eu une politique qui disait qu'il fallait qu'on laisse se développer les paysans riches. Et que comme le système était la dictature du prolétariat en Union soviétique, il ne pourrait pas faire trop de mal. Et il pourrait petit à petit s'insérer dans le socialisme. Ça, c'était son idée. Mais donc, je crois que là-dessus, il n'y a plus de doute. Si on avait suivi le raisonnement de Boukharine, les paysans riches à la campagne, qui avaient déjà 5-6% et qui avaient déjà une position prédominante, seraient devenus, dans les 5 années à venir, la force dominante, dominant la campagne. Et donc, ni l'industrialisation, ni l'édification socialiste auraient été possibles. On aurait eu la guerre civile avec une campagne en main d'une nouvelle classe bourgeoise. Donc il n'y a presque plus de doute sur cette perspective-là si on aurait suivi la voie de Boukharine. Mais donc Boukharine, il était un des plus grands chefs du parti et donc il avait un réseau bon. Donc il était un des 5 principaux chefs du parti depuis 1921-22. Donc, c'est-à-dire qu'il connaissait vraiment tout le monde. Il avait ses réseaux et ses affinités avec des cadres du parti à tous les niveaux. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que, deuxièmement, le type explique que leur organisation clandestine est le plus proche de Boukharine. Et qu'ils donnent toute l'aide qu'ils peuvent donner au groupe de Boukharine. Et donc son opinion, c'est que si Boukharine pourrait prendre le dessus dans le parti, alors l'avenir est ce qu'il faut. Et donc il explique qu'ils ne sont pas d'accord avec Boukharine parce qu'eux ne sont pas des communistes, Boukharine est un communiste, mais que dans l'orientation générale de Boukharine, ils pensent que ça va à long terme favoriser leur courant et leurs idées. Quand il y a le procès de Boukharine en 1936, il dit que c'est un moment capital parce qu'il dit si Boukharine ne se comporte pas correctement devant le tribunal, ça va avoir des répercussions sur les paysans. Mais donc si Boukharine lutte
et donc donne des coups devant le tribunal. Donc s'il tient bien, il dit ça peut avoir un effet très mobilisateur sur les paysans. Donc ça, c'est son point de vue. Plus loin dans le livre, ils discutent dans leur organisation clandestine. Donc c'est quelques années plus tard, il y en a qui critiquent la direction, ils disent « Vous avez raté l'occasion historique, on pouvait faire une insurrection armée en 36, et en 36, on était sûr de gagner. » Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. Donc en 36, ils n'ont pas discuté de ça. En 36, il y a seulement discuté si Boukharine se comporte bien, alors les paysans vont être encouragés pour la lutte continue contre le système. Mais donc 2 années plus tard, il dit on a raté l'occasion, on avait les forces, on pouvait réussir une insurrection armée en 36. C'est pour dire que c'est ça qu'ils ont en tête. Et que donc, il y a la lutte politique, la lutte clandestine, mais on voit bien que dès la conjoncture change, ça peut se transformer en guerre civile. Maintenant, un point suivant. Donc, j'ai maintenant parlé de 2 fractions dans le parti à la tête, avec Yenokidze et Boukharine, qui étaient des chefs importants du comité central sous Staline. Donc, qui tous les deux ont pris une position opportuniste, parce que et Boukharine et Yenokidze, c'était contre la collectivisation à la campagne pour la protection des paysans riches, et 2 pour le nationalisme. Et c'est sur ces 2 points-là qu'ils rejoignent cette organisation anticommuniste clandestine. Et donc, quand on voit ces explications, on peut comprendre le bien fondé de la lutte que la direction du parti a menée contre ces courants. Et en même temps, vous pouvez voir que c'est au départ une lutte politique et idéologique, mais que ça se transforme en cours de route en une lutte qui est une lutte à mort. Et donc, que dans la situation internationale et nationale, la guerre civile n'est jamais très loin. Maintenant, je veux aborder un autre point de son livre. Donc, leur groupe clandestin, il est protégé par des chefs à la tête de la sécurité en 35. Donc c'est une organisation clandestine, anticommuniste, qui existe dans le parti. Mais donc il explique que lui-même, il va aux archives du comité central, il y a une fille qui travaille là-bas et qui lui donne accès à tous les fichiers de tous les cadres. Et donc c'est comme ça que quand il y a un de leurs camarades qui est en danger d'être découvert, ils le savent à temps. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à protéger, à sauver certains de leurs types, parce qu'ils sont à temps prévenus à travers des contacts qu'ils ont dans les archives du comité central, de la direction des cadres. Donc la fille lui donne accès parce que ses supérieurs sont d'accord. Plus tard, il explique que celui qui leur donnait des informations pour leur organisation, c'était le chef même de la sécurité, Yagoda. Donc c'était lui le chef de la sécurité, Yagoda. Et donc il explique que la plupart de leurs informations confidentielles venaient directement de lui. J'ai dit qu'après l'assassinat de Kirov, le parti a constaté qu'il doit y avoir des infiltrations au niveau de la sécurité. Et donc on a commencé à faire des enquêtes sur comment ça marchait dans la sécurité et qui était en fait agent double. Bon, en 36, on est abouti à la conclusion que Yagoda devait travailler avec la contre-révolution. Yagoda a été arrêté, puis il a été fusillé. Dans le livre ici, il dit qu'au moment où Yagoda est fusillé, donc il fait une note, il dit « Maintenant, presque toutes nos sources au niveau de la sécurité sont coupées. »
Donc, il constate un échec et un recul grave dans leur lutte. Mais c'est en même temps un point extrêmement intéressant à voir. Parce qu'en général, on nous dit que les procès qui ont été faits en Union soviétique, tout ça c'était fabriqué, c'était la dictature de Staline, etc. Que tout ça c'était des procès fabriqués, faux, etc. Quand tu lis dans les documents de Staline et des siens l'argumentation, bon, tu peux dire ils ont fabriqué tout ça. Mais donc, on a ici un type qui se réclame d'une organisation contre-révolutionnaire, qui est allé en Angleterre et qui l'a fait ses mémoires. Et donc là, le type, il te raconte exactement la même histoire que Staline raconte. Notamment que leur organisation clandestine avait des gens au sommet du parti, dans le comité central, mais elle recevait aussi les informations de Yagoda, le chef même de la sécurité. Yagoda, il a été éliminé et Eyov est venu à la place. Eyov est devenu le chef suivant de la sécurité et c'est Eyov qui a fait les grandes campagnes d'épuration, donc les plus vastes. C'est ça la grande campagne de terreur, comme on dit. Là-dessus, je veux dire deux choses. Et vous allez voir comment les choses sont extrêmement complexes. Donc, nous sommes maintenant à la fin de 1936. Et donc, la guerre mondiale, elle s'approche. Donc ça, tout le monde est tout à fait convaincu qu'il y aura la guerre et qu'elle sera terrible. Et on est convaincu aussi que les infiltrations sont importantes et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été découvertes. Et donc, ils ont fait, en début 37, une campagne de vigilance et de vérification de tout. D'abord, pour vous dire les difficultés. Donc, ce type, dans son organisation clandestine, il y a un type au comité central. Donc, dès qu'il y a une campagne d'épuration qui se prépare, ils se réunissent, ils disent... Il faut faire attention, il faut dire ceci, cela et cela et cela. Donc chacun, il apprend comment il faut se comporter. Par exemple, quand Boukharine est fusillé, donc eux, ils sont pour Boukharine. À ce moment-là, lui, il est secrétaire de la cellule du parti de l'Institut scientifique de l'aérospatial ou un truc pareil. Donc c'est lui le secrétaire, il est le chef. Son organisation lui dit, bon, demain, c'est toi qui dois faire un discours anti-Boukharine de poigne. Donc il monte à la tribune, il fait un excellent discours, tout à fait stalinien, tout à fait anti-Boukharine. Et donc, leur tactique, c'est de créer un renommé stalinien. Et donc, ils ont étudié comment il faut se comporter pour être sans la moindre suspicion. Et donc, ce ne sont pas des débutants, ils ont leur type au niveau le plus haut. Par exemple, ça c'est un exemple que j'ai donné, que son discours contre Boukharine. Un autre, il y a une soirée de théâtre, je ne sais pas quoi, ils sont dans l'appartement d'un ou deux artistes, à une heure de la nuit, ils sont encore six, tout le monde a bu, et donc il y a une actrice qui commence à divaguer. Et donc, elle commence à se plaindre de la vie et que c'est tellement dur et que... Bon. Donc, elle fait un discours anticommuniste, rouspété, que rien ne va, que la répression est trop absurde, que la dictature, la terreur, etc. Donc, elle a un peu bu. Bon, elle... Sur quoi tout le monde va à la maison. Donc lui, il a un contact le jour ou le lendemain avec un des chefs de son groupe clandestin. Il raconte l'histoire. Son chef lui dit, il faut aujourd'hui aller à la police pour la dénoncer. Il faut te dépêcher. Donc ce qu'il fait. Parce que son chef, il avait vu clair, il lui a dit, peut-être c'est une provocation.
Donc peut-être ils ont voulu savoir quelle est votre opinion véritable, et donc peut-être elle travaille pour la sécurité, et comme vous êtes déjà suspect, toi, depuis longtemps, le type avait été expulsé deux ou trois fois du parti, puis réintégré. Donc il était considéré comme un opportuniste. Donc ils ont dit, comme on est déjà en train de vérifier, peut-être c'est une provocation. Donc si là-bas tu as accepté ces propos, toi qui es un cadre, le responsable politique, donc c'est clair que ça ne va pas. Et donc, si tu es celui que tu joues, tu dois être très vigilant, tu ne peux pas laisser passer des propos anticommunistes pareils, c'est pas normal, donc il faut aller la dénoncer. Donc je veux seulement dire, vous êtes dans un parti où les contre-révolutionnaires, ils se comportent de telle façon. Donc comment est-ce que vous allez découvrir des choses pareilles? Donc je veux seulement dire que c'était pas simple du tout, hein. Donc, en 1935, ils ont commencé une opération à grande échelle, ils ont arrêté beaucoup de monde, ils ont vérifié beaucoup de choses, c'était une campagne, c'était la terreur. Mais donc, avec quelques exemples, je pense qu'on peut comprendre la difficulté de l'épuration du parti. Mais maintenant, je veux dire deux choses. D'abord, dans l'épuration, presque tous les agents fascistes et autres ont été effectivement épurés. Il y a dans son livre, il décrit une réunion de leur groupe clandestin vers 1938, où la plupart veulent abandonner la lutte. Donc presque tous leurs pions les plus hauts passés ont disparu, ils ont été arrêtés, fusillés. Et donc il dit que la réunion se fait dans une atmosphère tout à fait de faim. Et donc il y a un qui fait un discours pour dire qu'il n'y a plus rien à faire, que le parti, il n'y a plus rien à faire et qu'il veut abandonner. Donc l'autre fait un discours pour dire non, il faut voir sur des générations. Mais donc je souligne seulement ceci pour dire que leur organisation était pratiquement finie à la fin de l'épuration. Et donc ça montre que effectivement ceux qui étaient agents de l'Allemagne des nazis, donc les infiltrations, que probablement la plupart ont été découverts par l'épuration. Maintenant, deuxième point. Donc l'épuration a été faite aussi sur une échelle trop large. Et donc il y a des gens qui ont été épurés, qui probablement n'étaient pas des réactionnaires ou qui n'étaient pas des agents secrets et qui ont aussi été soit fusillés, soit envoyés en Sibérie. Lui-même, le type ici, il est contre les fascistes, il est contre les Allemands, il est pro-anglais. Donc, quand il y a une guerre mondiale et les fascistes vont occuper l'Union soviétique, il est contre. Donc lui, il est pro-anglais. Dans son livre, en pleine épuration, donc où il y a le plus de gens qui sont arrêtés, il dit « Il y a de plus en plus de gens chez nous qui se demandent s'il n'y a pas des infiltrés nazis dans les environs de Eyhof. Et donc si la sécurité sous Eyhof n'a pas été infiltrée par des nazis qui exagèrent tellement la lutte que beaucoup de bons communistes sont éliminés. » C'est aussi intéressant, parce que lui, il n'est pas communiste, il déteste les communistes, mais que lui, il fait cette remarque. Hein? On se demande s'il n'y a pas des fascistes, des agents secrets fascistes qui ont arrivé à monter au sommet de la sécurité. Mais quelques chapitres plus tard, il fait aussi une autre remarque. Il dit, je me demande s'il n'y a pas des gens de l'opposition, donc de leur réseau, qui sont arrivés aux environs de Eyhof. Et donc, il y a des gens de son groupe et des groupes comparables qui se font passer pour les durs des durs staliniens et qui exagèrent à tel point
mais aussi à dessein, donc pour créer des problèmes. Donc il évoque lui-même ces deux hypothèses. Il y a un livre que Louise Anna Strong a écrit sur l'Union soviétique en 1956, quand Khrushchev il a dénoncé Staline. Louise Anna Strong, qui était une Américaine, elle a écrit dans les Nouvelles de Moscou, dans une autre époque, bien sûr. Donc à ce moment-là, les Nouvelles de Moscou était un des journaux les plus révolutionnaires de l'Union soviétique. Donc elle était une des principales rédactrices. Et donc elle a fait un petit livre de défense de la période de Staline. Et c'est très intéressant, elle est américaine, donc elle voit l'Union soviétique, elle a toujours vécu et travaillé, donc elle voit ça un peu différent, et donc sa défense de Staline est assez intéressante à lire. Mais elle mentionne qu'elle-même, rédactrice de Nouvelles de Moscou, son ami a été arrêté par la police, a été 10 ans de prison, elle a disparu. Donc elle dit qu'elle était tout à fait sûre que son ami n'était pas une agent des États-Unis. Et donc elle va voir un responsable de la sécurité, je sais plus exactement en quel endroit, et elle lui dit, avec toutes les arrestations qui se font maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se demandent s'il n'y a pas des infiltrations nazies dans les services de sécurité. Et donc le chef de la sécurité de telle république, il dit, ça, tout le monde chez nous est en train d'analyser cette question. Donc c'est exactement la même remarque qu'on trouve ici chez un anticommuniste, mais donc elle est communiste, elle a fait la même remarque, mais pire, il y a le chef de la sécurité de telle ou telle république qui dit, nous, tout le monde se pose aussi, donc... Ce n'est pas que les gens ne réfléchissaient pas, je veux dire, et ce n'est pas que on ne voyait pas des problèmes. Et qu'on n'évoquait pas l'hypothèse qu'il y a des exagérations de la répression qui sont faites, pas seulement par des erreurs politiques, mais aussi, ça peut se faire, hein, et ça doit se faire. Tu ne peux pas faire une épuration sans erreur. La chose est tellement complexe, je viens de l'indiquer un peu, que les erreurs sont inévitables. Mais donc ici, qui parle de... Il y a probablement plus que ça, il y a probablement une force qui, à dessein, exagère. Il y a celui qui, dans son livre, il en parle, qui a évoqué la question de l'exagération et de l'infiltration des nazis dans la sécurité, c'est Beria, qui est aussi de la Géorgie, qui est de sa région, et donc il connaît bien. Et donc c'est Beria qui est allé voir Staline pour dire que il y a des choses qui sont abnormales, il doit y avoir des infiltrations, etc. Et donc Staline l'a soutenu, ils ont fait un comité central et ils ont décidé que Ayov serait pas seulement remplacé avec ses collaborateurs, mais qu'il y aura aussi une enquête sur eux. Donc plus tard, Ayov et quelques autres ont eu un procès et ont été condamnés à mort à leur tour. Et donc c'est Beria qui est devenu le chef de la sécurité à ce moment-là. Chose assez intéressante, lui, il est partisan de Beria. Et donc il dit que Beria est un modéré, est un... Et donc lui, par exemple, il avait été exclu, si je ne me trompe pas, ou eu des sanctions dans la partie. Quand Beria est venu à la direction, donc ils ont fermé un tas de dossiers, dont le sien. Et donc, les autres de leur réseau qui ont survécu à la répression, tous ont été réhabilités. Mais là aussi, vous voyez la complexité. Donc, c'est sûr qu'ils ont exagéré, qu'ils ont arrêté et fusillé trop de gens. Donc, ils ont redressé cette erreur, il fallait le redresser. Et ils ont fermé un tas de dossiers. Mais on voit qu'il y a encore des gens qui ont passé à travers les filets. Et donc, il dit qu'après la période de Beria, donc, où on a réhabilité les gens, lui, il a pu travailler presque sans problème. Et il avait accès maintenant au plus haut niveau. Donc, je dis ça pour qu'on se rende bien compte de la complexité de la lutte de classe à ce moment,
et de la difficulté de faire une épuration bien faite, sans aller à droite, sans aller à gauche, dans une lutte aussi complexe. Mais maintenant, je veux arriver au terme de cette histoire. Oh là là. C'est que quand les nazis ont attaqué l'Union soviétique, le nombre de collaborateurs avec les nazis en Union soviétique a été infime. Et donc, il faut bien comprendre que l'épuration des contre-révolutionnaires, des agents secrets et des gens qui étaient capables de se rallier à l'Allemagne, cette épuration a été fondamentalement bien faite et a été une réussite. Parce qu'il y a eu l'épreuve du feu. Et l'épreuve du feu, c'était le feu allemand. Donc on sait que les soviétiques ont eu 23 millions de morts dans cette guerre. Donc c'est incomparable par rapport à tout le reste. Les Américains doivent avoir eu quelques centaines de milliers, c'est tout. Mais donc, pour comprendre que l'Union soviétique a bien épuré, il faut réfléchir un peu ce qui s'est passé de notre côté. Les socialistes, les chrétiens, les libéraux, tous font campagne, les trotskistes bien sûr, font campagne contre Staline et les épurations inhumaines de Staline. Moi je veux bien. Donc disons que Staline n'y connaissait pas son affaire, il a mal fait son épuration, tout ça ce n'était pas nécessaire parce qu'il y a des moyens plus efficaces pour empêcher les nazis d'infiltrer. Je veux bien. Mais donc si la critique des trotskistes, des social-démocrates, des chrétiens, des libéraux était tellement pertinente, c'est clair que chez eux ils ont fait mieux. Donc nous savons tous qu'en bloc, le parti chrétien, le parti libéral, et trois quarts du Parti socialiste sont allés avec Hitler. Donc ils sont devenus des nazis pendant la guerre. Et donc il faut bien comprendre qu'il y a un rapport entre la critique de ces gens sur Staline et les infâmes épurations et le fait qu'eux-mêmes, ils ont travaillé pour les nazis. Bien sûr que l'épuration était exagérée. Bien sûr que l'épuration était un crime. Parce que eux, ils ont été avec les Allemands. Et donc une lutte conséquente contre les gens de leur espèce était dans leurs yeux un crime. Donc en général, on dit alors que les gens, Boukharine, etc., c'était des vieux communistes et des gens avec un idéal et que jamais ils ne pouvaient trahir. Bon, sur tout ça, l'histoire a dit son mot, Donc en Belgique, le Parti socialiste belge avait un éminent penseur gauchiste marxiste en 1911. C'était Henri de Man. Donc c'était l'étoile montante, jeune, radical, le plus marxiste. C'était l'aile gauche quand on voit l'histoire du Parti socialiste belge. Donc comment pouvait-on penser qu'un homme qui vient de l'extrême gauche, pas de la droite, de l'extrême gauche, qui a mené tous les combats dans le Parti socialiste, pourrait collaborer avec les nazis? C'est pourtant ce qu'il a fait. Et donc, on sait que dans notre pays, Henri de Man, qui était président du Parti socialiste en 1940, il n'a pas seulement soutenu, il a publiquement acclamé en tant que président du parti la victoire de Hitler. Et il a dit que l'arrivée de Hitler en Belgique était la libération de la classe ouvrière belge. Donc tous ces textes sont officiels, tout le monde peut les lire. Donc ça c'est la réalité. Et donc si telle était la réalité chez nous, que les opportunistes, les réformistes, toute la direction du Parti socialiste belge, quand les nazis étaient là, ils se sont pliés devant les nazis. Quand le capitalisme belge est là, il se plie devant le capitalisme belge. Quand c'est les nazis qui viennent, il se plie devant les nazis. Quand après c'est les Américains qui viennent, ils sont avec les Américains.
Mais donc ça veut dire que les gens de la même tendance idéologique en Union soviétique, où la terreur était 100 fois pire qu'en Belgique, parce qu'en Belgique, on n'a presque pas tué hein, les nazis. Quand ils sont venus ici, c'était avec quelques chansons, mais très peu de balles. Hein. Donc les premières semaines de l'occupation en Belgique étaient sans problème. Même les communistes n'étaient pas arrêtés. Donc il n'y avait pas beaucoup de terreur qui poussait Henri de Man à collaborer avec les nazis. Il l'a fait quand même. Donc en Union soviétique, où la terreur était terrible, et c'est par millions qu'on fusillait les gens, donc les opportunistes, ils étaient 10 fois plus poussés en Union soviétique pour collaborer avec les nazis que chez nous. Je pense qu'on est déjà 10 minutes... Est-ce qu'on peut dépasser un peu les limites? Il est midi moins 5. Bon, j'ai maintenant exposé 2 points. Mais... Donc je vais essayer de donner quelques idées essentielles, mais maintenant je dois aller très vite et bon, il n'y a rien à faire. D'abord, il y a quelqu'un qui a demandé une question sur les réussites économiques du socialisme. Donc la première chose, ça vous pouvez lire dans le livre aussi, la première chose qu'il faut dire, c'est que sous Staline, l'Union soviétique a fait un progrès économique et a rattrapé le monde capitaliste à une allure qui était tout à fait incroyable. Donc d'un pays complètement ravagé en 21, en 40, ils avaient assez de force pour soutenir et contenir les attaques de la puissance la plus moderne du point de vue de la technologie militaire, l'Allemagne. Donc en 20 ans, ils ont fait un effort qui pouvait mettre un halt à l'industrie d'armement la plus moderne du monde, les Allemands. Et donc, après la guerre, les États-Unis n'ont pas été détruits pendant la guerre, l'Union soviétique a été complètement ravagée, ils ont perdu au moins un tiers de toutes leurs usines. Mais donc, dans 5 à 6 années après la guerre, tout était remis sur pied. Et leur production dépassait de loin ce qu'elle était en 40. Donc, il n'y a jamais eu dans l'histoire une période où le progrès économique et même le rattrapage du monde impérialiste a été aussi vigoureux que sous Staline. Et donc, ça montre au moins que, du point de vue économique, le socialisme était de loin supérieur au capitalisme dépendant qui existait auparavant en Union soviétique. Et donc, ce qu'on peut dire d'eux, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à réintroduire des éléments du capitalisme dans l'idéologie et aussi dans l'économie, c'est à ce moment-là que ça a commencé à dégringoler, jusqu'à ce qu'on voit maintenant la fin finale. Et donc, s'il y a échec de l'économie en Union soviétique, maintenant, c'est parce que depuis 35 ans, on voit la réintroduction des éléments capitalistes. Et donc, manifestement, la réintroduction d'éléments capitalistes, loin de développer plus vite et de renforcer l'économie, c'est tout le contraire. Donc, les raisonnements des impérialistes sont quand même un peu bizarres. Hein? Donc, normalement, si le socialisme ne vaut rien, mais le capitalisme marche bien, depuis qu'on a commencé à introduire le capitalisme petit à petit en Union soviétique, il fallait que ça monte. On voit tout le contraire. Alors Gorbatchev, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que ça chute trop vite. Les 10 dernières années, les taux de croissance qui étaient sous Staline de 7%, ils sont dégringolés 5-3 pour arriver à 1,5. Gorbatchev, il a dit qu'ils vont redresser ça. Il a déployé le capitalisme en grand. Et au lieu de remonter de 1,5 à 3, ils ont chuté de 1,5 à moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Mais donc, on continue à dire que le capitalisme, c'est excellent. Et avec le capitalisme, ça marche de l'avant. Et c'est très performant.
Alors, pour revenir à Khrouchtchev et à la base de ce qu'on voit maintenant. Donc, vous avez compris que donc, dans le parti, il y avait des noyaux clandestins avec des programmes bourgeois, comme celui-ci. Hein? Donc, c'est clair. Il y avait le courant de Boukharine, effectivement, qui avait à peu près le même programme. Et donc, il avait de l'influence dans le parti. Donc, je veux seulement dire que déjà dans les années 30, on voit que dans le parti, il y a des luttes idéologiques et politiques. Et qu'il y a des tendances dans le parti qui sont en fait des tendances révisionnistes. Donc, de liquider les bases du socialisme et de revenir à des principes idéologiques et économiques du capitalisme, petit à petit. Mais donc, on voit aussi clairement qu'à cette époque-là, ces tendances étaient combattues politiquement pendant 5, 6, 7 années. Et quand il y avait la guerre mondiale en vue, elles étaient combattues aussi physiquement. Dans l'exposé, vous pouvez aussi voir que des gens de ces tendances, ils ont fait tout pour se cacher. Donc, celui-ci et son chef ont survécu à toutes les épurations. Et donc, ils étaient toujours là et ils recevaient des promotions. Donc, les gens qui étaient là dans les années 30, comme lui, qui ont échappé à l'épuration, qui ont traversé la guerre mondiale, après la guerre mondiale, c'est eux qui montaient très haut. Et donc, comme c'était des contre-révolutionnaires conscients, quand ils avaient un département, ils pouvaient le remplir avec des gens qui étaient de leur tendance. Alors, ces forces étaient là. Elles existaient depuis longtemps. Ça, c'est un. Deux, après la guerre mondiale, le prestige de l'Union soviétique était au sommet. Et donc, les réalisations étaient énorme. Mais c'est aussi certain que parmi les cadres du parti, ça a créé des sentiments de vide, d'autosatisfaction, de perte de vigilance, de perte de l'esprit révolutionnaire. Donc les victoires ont aussi cet aspect-là. Puis les gens avaient lutté depuis longtemps, ils avaient souffert longtemps pendant la guerre, donc la tendance à le prendre un peu plus à l'aise était certainement existante parmi les cadres, aussi parmi les cadres supérieurs. Donc on a deux tendances. D'abord des gens qui idéologiquement sont contre le communisme et qui se sont infiltrés dans le parti, qui sont là, qui ont des tendances, mais aussi en général un climat de relaxé. Alors c'est dans un tel contexte que Khrouchtchev a pu prendre le pouvoir. Donc il faut savoir que d'abord, Khrouchtchev il parlait de démocratie et que tout le monde a le droit à la parole, etc. Donc on sait que Khrouchtchev il a fait un complot avec les militaires et dans le bureau politique, il a sorti des revolvers, il a arrêté, puis il a fusillé Beria. Donc lui qui parlait de démocratie, que Staline tuait les gens, qu'il faut discuter, etc. On sait que la première chose qu'il a fait, c'est d'arrêter comme un gangster un membre du bureau politique. Puis il y a eu des manœuvres et des intrigues pendant 3-4 ans. Et donc en 1956, Khrouchtchev était la personnalité la plus marquante du bureau politique. Alors ce que Khrouchtchev, quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait, c'est de instaurer au sommet du parti une ligne révisionniste, c'est-à-dire une ligne qui était contraire à tous les points essentiels de Lénine et de Staline. Et donc on sait qu'il a fait ça en attaquant Staline dans tout ce qu'il a fait. Mais donc ces attaques tout à fait droitières et réactionnaires contre Staline cachaient surtout que les principes essentiels que Staline a maintenus étaient abandonnés. Donc il n'y avait plus de dictature du prolétariat, il n'y avait plus de lutte de classe, le parti n'était plus un parti pour faire la révolution, mais le parti du peuple tout entier. Donc les dangers n'existaient plus. L'Union soviétique allait faire le communisme en 1980. En 1980, elle aurait dépassé de loin les États-Unis, etc., etc. Donc des promesses ultra-communistes pour endormir les révolutionnaires, mais en même temps détruire toutes les bases du socialisme, notamment la dictature du prolétariat et la lutte de classe. Donc la lutte contre les éléments dégénérés. Alors avec Khrouchtchev,
Donc, des gens de ce bord-là, normalement, tout ce monde a eu les promotions au sommet une fois que Khrouchtchev est venu. Enfin, Khrouchtchev, il a fait un nettoyage du parti de tout ce qu'il appelait les staliniens. Donc, il y avait une grande épuration de staliniens du parti. Et donc, on peut penser que tous les gens qui avaient l'esprit le plus révolutionnaire et qui étaient les plus fermes ont été éliminés à ce moment-là au profit de toute cette tendance qui, politiquement, disent exactement la même chose que Khrouchtchev. Donc, les tendances opportunistes et révisionnistes qui existaient depuis longtemps, ils ont eu leurs représentants à la tête du parti. Et donc, ça veut dire que maintenant, leur position était les positions du parti, pouvaient se répandre, se propager largement, que leurs hommes pouvaient prendre les positions les plus importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que la restauration du capitalisme en Union soviétique, elle a commencé dans le domaine politique et économique, basé sur ces courants qui existaient, mais par la prise du pouvoir au sommet du parti. Et alors, la corruption, toutes qui étaient plus ou moins combattues avant, s'est développée maintenant presque ouvertement. Les entreprises capitalistes clandestines ont commencé à se développer à partir des années 60. Mais aussi des activités semi-clandestines, donc des usines qui restent des usines collectives, mais qui en fait sont détournées par leur directeur. Donc c'est officiellement toujours une entreprise socialiste, mais en fait elle fonctionne comme la propriété privée de tel ou tel directeur. Donc ces phénomènes ont commencé à se développer sous Khrouchtchev. Mais dans la première période, elles étaient encore limitées. Sous Brejnev, tout ça s'est empiré d'année en année. Et donc la corruption est devenue effroyante à la tête du parti et aussi dans le niveau économique. Alors, quand Gorbatchev est venu, on peut dire qu'en 84-88, quand il est arrivé, il y avait déjà dans le parti des éléments politiquement des bourgeois qui n'avaient plus rien de marxiste-léniniste dans leur idéologie, qui dans leur style de vie et même dans leurs revenus étaient déjà des bourgeois, parce qu'ils vivaient essentiellement de vols, de détournements, de toutes sortes de trafics. Et trois, il y avait une économie de l'ombre, comme on dit. Quand Gorbatchev a pris le pouvoir, certains disent entre 10 et 12% de la production. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des réseaux capitalistes déjà importants. Et donc, on peut dire qu'avec Gorbatchev, ces fractions politiques et économiques ouvertement bourgeoises qui sont maintenant au pouvoir et qui vont se développer très vite. Donc, cette base économique et politique, elle existait avec l'arrivée de Gorbatchev, mais elle s'est élargie et elle s'élargit encore d'année en année. Et donc, on peut effectivement dire que c'est cette classe. On peut dire plusieurs choses, mais bon, on n'a pas le temps. Mais donc, on peut dire d'abord que ça a pris quand même 35 années avant que, d'une dégénérescence politique, on arrive à avoir une base de classe réelle. Ça veut dire que le socialisme était quand même assez fermement implanté sous Staline. Si c'était vraiment très superficiel, il ne fallait pas 35 ans. 2-3 suffit. Donc on peut bien voir l'enracinement du socialisme sous Staline. Ça a pris 35 ans pour le démonter. Et donc d'abord, ça a pris 35 ans pour le démonter politiquement. Parce qu'il n'y a plus de thèse révolutionnaire ni d'éducation révolutionnaire authentique en Union soviétique depuis 56, depuis Khrouchtchev. Alors, il y a des questions. Toi, tu as posé la question qu'il y a très peu de vrais communistes et très peu de vraies réactions dans la population. Mais donc, c'est que depuis 35 ans, il n'y a plus d'éducation révolutionnaire authentique. Et ce qu'on donne, soi-disant, comme éducation communiste, c'est des théories pourries et qui sont faites pour paralyser les gens. Ça, c'est encore un tout autre problème. Toi, tu veux manifestement prolonger un peu le...
Et donc, les gens qui étaient les communistes, qui avaient l'esprit révolutionnaire, donc d'abord, beaucoup ont été épurés. Par exemple, Kahanovitch, qui était un des adjoints de Staline, qui était un vieux bolchevique d'origine juive qui a fait toute la collectivisation, il est mort il y a 2 semaines, à l'âge de 90 ans, tout à fait abandonné. Donc il a été éliminé... Oui. Donc, il a été éliminé par Khrushchev. Donc c'était un des cadres les plus haut placés du parti bolchevique. Il est mort dans la misère. Donc, les vrais bolcheviques ont été épurés et les autres, ils ont été paralysés par 35 années de désinformation révisionniste. Et donc, le désarroi, il est total maintenant. Mais bon, donc, on a introduit 2-3 idées qui sont dans le texte ici. Donc, ceux qui veulent les réponses aux autres questions, il faudra le chercher sur papier. Et l'Albanie, c'est une autre question, ça c'est pour une autre fois alors.